الذي حث إلى التحميد. الحمد لله الذي حمد نفسه وكرره من بداية القرآن من حيث الترتيب إلى آخره. وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. Nous glorifions Allah, celui-là qui s'est glorifié et qui a donné l'importance à la glorification. Allah se glorifie lui-même dans le Coran. Vous allez voir dans le Coran, dans l'ordre du Coran, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est en train de se glorifier. Et il répète cette glorification plusieurs fois dans le Coran. Dans la sourate Al-Fatiha, par exemple, Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Il dit gloire au Seigneur de l'univers. Donc, lui-même Allah, il se glorifie. Et en plus, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, le Seigneur qui pardonne l'homme dans ce monde, et c'est également le Seigneur qui pardonne l'être humain le jour de la résurrection. Allah se glorifie lui-même dans le Coran, il le fait plusieurs fois. C'est pareil dans la sourate Al-Kahf, quand Allah dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'allahu iwaja. Il dit gloire à Allah, celui-là qui a descendu le Coran et il n'a pas mis le doute dans le Coran. Dans les trois dernières sourates du Coran, comme je l'ai dit de façon comme c'est venu dans l'ordre, comme c'est écrit dans l'ordre, dans les trois sourates du Coran, Allah parle encore de sa glorification. Il dit Qul huwallahu ahad. Il parle à Muhammad sallallahu alayhi. Il dit Qul huwallahu ahad. Ô Muhammad, dit Allah est unique. Et il dit Allahu Samad. Dit Allah est Samad. Ensuite il dit Lam yalid wa lam yulad. Voyez-vous, dans cette sourate, Allah parle de lui-même. Il se glorifie, il parle de sa personne. Il demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire que lui, Allah, est un. Il pouvait se limiter à cette phrase, mais il dit en plus, dit Allah est somad. C'est quoi somad? Le mot somad est un mot arabe, bien sûr, qui signifie quelque chose de quelque chose donc qui n'a pas de trou. Quelque chose qui n'a pas de trou. C'est comme le ballon. Admettons que la balle ou bien le ballon est en fer. Quand c'est en fer, en réalité, il n'y a pas quelque chose qui peut entrer à l'intérieur et il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui peut sortir. Allah dit qu'il est somad. Ce qui donne la signification de Ahad, qui veut dire également qu'il est un. C'est-à-dire, il veut dire qu'il est un, donc il traduit ça en disant qu'il est encore somat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou en lui, donc rien ne peut entrer et rien ne peut ressortir. Il est unique. Et en plus, il dit Lam yalit wa lam yulad. Il dit qu'il n'a pas enfanté et on ne l'a pas enfanté. C'est comme si Allah était en train de répéter la même signification, mais de manière différente. Ça résume que Allah est unique et ça résume également que Allah lui-même se glorifie. Il se glorifie. Pourquoi est-ce que Allah parle de cette façon? Pourquoi il dit qu'il est un et qu'il n'a pas enfanté? On l'a pas enfanté. Il dit en plus qu'il est somad, donc il n'a pas de trou, c'est-à-dire rien ne peut entrer et
rien ne peut sortir. Lui, il ne fait que crier. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu après lui. C'est une manière de prouver que l'être humain est très têtu. Et comme Allah, il sait que l'être humain est têtu, donc il va répéter ce qu'il est afin de convaincre l'être humain qu'il est bel et bien un et qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans le Coran, Allah se glorifie beaucoup. Ce qui veut dire que la glorification fait partie des outils nécessaires pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il adore ça, il aime ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu kalam, lam yabtadi bil hamdi wa sana'u alayhi, fa huwa akta wa akhtar man hukul bar. » Il dit tout parole ou toute activité qui va commencer sans la glorification d'Allah ou la seule issue lui-même sa personne, alors la parole sera écartée de la baraka d'Allah, parce que ça n'a pas été commencé avec la glorification d'Allah. Donc cela nous montre l'importance de la glorification. Bien sûr, Allah a demandé de faire la solution du prophète sallam alayhi, mais quand on veut comparer la solie et la glorification d'Allah, il s'agit bien de la glorification, parce que la glorification est encore plus importante que même la solie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, Allah nous a créés et il nous a demandé d'être sincères envers lui. D'abord, il se glorifie et il nous dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes sauf uniquement pour m'adorer moi, Allah seulement. En plus, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il dit lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas demandé aux hommes de l'adorer, sauf uniquement qu'il l'adore tout en étant sincère envers lui dans l'adoration. Allah dit qu'il nous demande de l'adorer tout en étant sincère avec lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'adoration? C'est quoi être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala? Adoration est un mot, bien sûr, mais ça signifie quoi? Huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah kama yazkuruhu al-ulama. L'adoration, quand on parle d'adoration, ça indique l'ensemble de tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala aime et déteste. Donc, quand on dit d'adorer Allah, il s'agit bien sûr de la prière, de la zakat et d'autres. Il ne s'agit pas seulement de faire la prière, mais passer à autre chose. C'est un ensemble de choses. Allah dit qu'il faut l'adorer. Mais l'adorer, c'est quoi? C'est de respecter les conditions ou respecter les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de respecter les règles. C'est ça l'adoration. Donc ça ne se limite pas uniquement à la prière ou au jeûne, mais c'est un ensemble de choses. Donc dans l'adoration, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est méritoire, c'est-à-dire quand tu le fais, tu vas avoir des mérites, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est apprécié. C'est tout ça là qu'on appelle adoration. Allah dit qu'il faut l'adorer tout en étant sincère avec lui. On est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Ce qu'on appelle al-ikhlas, parce qu'il dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. C'est de l'adorer tout en étant sincère avec lui. Sachez que dans la religion, il y a deux types d'adoration. Il y a l'adoration quand on fait, on a des mérites en retour. Il y a ce qui, quand on fait, il y a deux types d'adoration, bien sûr. Il y a ce qui, quand on fait,
On sait pourquoi on le fait. Il y a ce qui, quand on fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc l'adoration dans la religion est de deux types. Ce qui on sait pourquoi on le fait, ce qui on ne sait pourquoi on ne le fait pas. L'intention ou la sincérité est liée à ces deux choses. Quand on fait l'adoration, on sait bien sûr qu'il y a des actions qu'on fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. C'est comme la prière de Zuhr par exemple. Quand vous priez la prière de Zuhr, quand on fait la prière de Zuhr, bien sûr, on ne sait pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire la prière de Zuhr 4 à 4. Personne ne le sait. Mais par contre, on sait pourquoi Allah nous demande de faire la zakat. Ce sont des adorations également. On fait la zakat pour réduire la pauvreté dans la société. Mais la prière, les 4 à 4 là, telle que c'est demandé là. Qui sait pourquoi? Allah pouvait exiger les 5, il pouvait faire ça 6, 7, 8, mais, ou bien 5 prières dans le jeu, il faisait ça 6. Mais pourquoi est-ce que 4 rakats uniquement? Pourquoi malgré 3 rakats? C'est Allah seul qui le sait. C'est également comme l'ablution, parce que l'ablution on le fait, chez certains savants on ne sait pas pourquoi on le fait, parce que si on savait pourquoi on prenait l'ablution, celui qui s'est déjà lavé dans la douche n'aurait pas prendre l'ablution après avoir été lavé, parce qu'il est déjà propre. Mais Allah exige que celui qui s'est déjà lavé prenne également l'ablution, sinon sa prière n'est pas acceptée. Parce que là, sur la taliman, la wudu Allah, la prière n'est pas exaucée s'il n'y a pas d'ablution, même quand tu te laves. Donc, on comprend automatiquement qu'il y a deux types d'adoration. Allah dit qu'il faut être sincère dans l'adoration. Il faut le faire même quand on ne sait pas pourquoi on le fait. Nous avons dit que l'adoration est liée à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il n'aime pas. Dans notre religion, il y a bien des limites, il y a bien des fêtes. Il y a bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et il y a bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Actuellement, nous sommes dans un mois de décembre. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de fêtes, telles que Noël ou janvier, etc. Ce sont des fêtes qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Donc Allah dit, quand on veut faire la religion, il faut le faire tout en étant sincère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être hypocrite. Tu ne peux pas être musulman et participer au fait qui n'a absolument rien à voir avec l'islam. Non, on fait la religion et on reste dans les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les fêtes qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam sont souvent composé du polythéisme, du shirk. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yakfir an yushra kabi wa yakfir maduna dhalika liman yasha » Lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner si on associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut pardonner d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec cela. Donc le polythéisme déjà, c'est très grave. Et généralement, les fêtes qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam sont composées de cela. Vous allez voir que les fêtes en islam, quand ça arrive, on va toujours commencer ces fêtes-là par les prières. Donc, on va dire que c'est le foie. On met à Célikène là, c'est le foie là. Par contre, les autres, ce n'est pas le cas. Et même quand ils ont des adorations à faire, qu'est-ce qu'ils adorent? Donc, il faut faire attention, sinon on devient automatiquement hypocrite. Et Allah dit, c'est ce qu'on appelle le munafiqin. Allah dit, sawa un istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Il a dit au prophète sallam alayhi, parce qu'à son époque, il y avait un hypocrite comme cela qui est décédé. Le prophète a voulu demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Allah dit, sawa un istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Oh Muhammad, si tu veux, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux, il ne faut même pas demander. Mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais jamais pardonner ces personnes. Allah dit qu'il ne va jamais pardonner ces personnes. Ce qui veut dire que c'est un péché grave. Donc, il faut faire attention
et rester dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il faut l'adorer tout en étant sincère, c'est-à-dire il faut avoir la bonne intention. L'intention dans la prière, ou l'intention avant de passer à une adoration, n'est pas prononcée, sauf s'il s'agit du Hajj. Sauf s'il s'agit du Hajj. Imam Shafi dit, « Wa niyatullah yutalafazu biha wa man natoqa biha faqad ibtada » Il dit, l'intention n'est pas prononcée, et celui qui l'a prononcée est entré dans la bida. Il s'agit du haram. Qu'Allah nous épargne et qu'il nous écrit les mérites des adorations que nous faisons, Inch'Allah. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. En bon port, Allah Ta'ala Tandola, Masamye, Aïret Tando, Kaire Makri, Allah est Makri, Fort Kanyashi Aïret Makurana Konokachaya, Inafo Nawye Kurana Korosi, Tarti Buloma, Allah Ta'ala Bi Aïret Makri La. Suratul Fatiha la ala baka ka yere makri. Otma Qur'ana yere chuguya fukata sa ala bana imita soro ala bi ayere makri kachaya. Suratul Al-Ikhlas la miselia buluma ala bi ayere makri. Aba yere makri. Ako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ako afou ala ye kiliye. Ako Muhammad afo ala ye kiliye. Pour le bouwa Allah. Afo Allah y somadoui. Afo lam yali walam yulat. Walam yulat. Afo Muhammad afo Allah y kili. Tigi wulat yifu Allah. Afo Allah y somadoui. Kata soro somadou. La nyiri mbala ouli kili mbakati ya kili nye. Parce que nafo la kou somadou. Ouli bi fin femi. Fin wulat yiseka bo femi na. Fin wulat yiseka domina. Walma miseliate mina ibise kafota ala ko kay kele amma ko tout est tourné kaya fo pa le somadui na ko kay somadui mulo ko sala be sokalanta katla ka ko kullam yalid walam yulad walam yakul qalima dim wolo fin vraiment wolo ala baka kan foli no wa wolo ko at-tawkid wa at-ta'kid abaka ka ko do le fo ka balaya ka fo ka sizi ka ira ka fo ali ka kilimbatian ako ka bon ali Allah ta'ala ma fo ka tim fo be se ka daya abani sura ni la de suratu al-ikhlas ani sura nu ba la menina abe jate sura o che maslama kan ka sura nu utiliser ka re protéger min al-mu'awizat ikan ka min nu kala ki re protéger abe jate o che ma ni surami ala baka ka kuma ayira ka ala ko ke surai surami jombe se ka teme mi fe ka ira protege d'ailleurs ala be se kola aka kelimati ya ni suran ko aba fola be se kola aba fola ka be se kola na ba fola fo chugo ya dama dama na muko so parce que aba don adama don ka ngana ka gele aba don fona ka fo adama don be fli fo ka timi Olu kuzan kira kusala sallam ko adama dun be fli fli kela wule ko ibn adama khata wa qaru qata'ina tawwabun adama dun be fli kela wule le na minnu ka fi zawta mawle mo mo be tubi no fli la o be tubi ko le ka sa na ala bo le long komi ala ko loni abaka kelimbaratia aba fola ka gbelea abe seko abe seko abe seko aka o kuzan aya do kono ala baka ki adresse abaka ka kuma salama fe ako wa ma umiru illa liya'budu allaha
mukhlisina lahu din ko ale alahu taala ma adamado nyamaria ale ka batola de fou ya ke katasro olu kono gbenne fou ya ke kasro ko kono gbenne ka nyeshi ale alahu taala ka batu ke kono gbe ka nyeshi ban ko ayra na ka fokali kele femine ko ka bo amo na mule be batu ki kono gbe kata la fenu fana be kala dile bato le be fin ou fin nala ou tala ka an nyamari akwa yanke fin ou fin nala ou tala ya karaba adamadou ma ka foko fou yake donc bato yu toroba kele na fin bela jenwe dola fin ou fin mandi ala ou tala yi katoy fin ou fin kadi ala ou tala yi kouke donc c'est lui dronte sont dronté mais c'est un ensemble de choses font fin qu'à dire là où t'as l'air autrement femme india carabala femme y est wadibi femme y est sunai ou ma femme qu'à dire là yama nama à jaguania qui va brailler sur pendant nous bella jen ne veut pour bateau alors pourquoi au mime flenier ni qu'on y va qu'il y ait qu'on en donc à quel sérieux à ma quel sérieux madame a connu ko alahu taala y'a ɲamara ko ka kɛ walima ka da la yɛ n'i y'a kɛ k'i y'a kɛ k'i kɔnɔ gbɛ na mun le be kɔnɔrɔ gbɛ mun le kosɔn ala b'a fɔla ko k'i kɔnɔ gbɛ ka taa ale alahu taala parce que a bɛ adamadenw dɔn ala le be dusu dɔn i nala la yanzur ila ajsamikum wa innama yanzur ila kulubikum ala le be an dɔn a b'an dusu dɔn a b'a dɔn min be bɛɛ kɔnɔ donc ko kan kɔnɔ gbɛ nka bato be fila bato dɔ be yen i b'a kɛ kun dɔ dɔ be yen i b'a kɛ i t'a kɛ kun dɔ bato min b'a kɛ i b'a kɛ kun dɔ min i b'a kɛ i t'a kɛ kun dɔ ko a fila nin bɛɛ ko n'i y'a kɛ k'i kɔnɔ gbɛ i k'a kun dɔn i t'a kun dɔn k'i de y'i kɔnɔ gbɛ an ko ɛsa olu de bi na fɔ jaga I bɛ jaga jila mun le kosɔn ka fangadanw k'o dɔgɔya société kɔnɔ nka i bɛ seli kɛla lɔ naani kun jumɛn le kosɔn mun kosɔn i t'a kɛ lɔlɔri seli fana pourquoi i t'a kɛ lɔlɔri n'i t'o lɔn alahu taala le ko k'i y'a kɛ a ko k'i y'a kɛ ɲamika i b'a kɛ ta nin ye misaliya ye dɔrɔn o tuma fɛn dɔw fana ni bɛ yen ten ala ko k'i y'a kɛ ɲamika i b'a kɛ tan de walima kira ko k'an y'a kɛ ɲamika i b'a kɛ tan de. Mun kosɔn n'i ye den sɔrɔ n'a kɛra cɛ i bɛ sagajigi fila faga mɛ ni muso le i bɛ sagajigi kelen faga mɔgɔ dusu le t'o bɛɛ la nka i t'a kɛ kun dɔn k'i y'a kɛ dɔrɔn ale ko k'i y'a kɛ ɲɔgɔn kan nka ko n'i b'a kɛ i y'i kɔnɔ gbɛ ka na ale alaw ta la ma donc kɔnɔrɔgbɛya nin i b'a faamu ka fɔ ko fɛn min don a gulonni bɛ ŋɛɲɛ le la a gulonni bɛ ŋɛɲɛ la o tuma ŋɛɲɛ nin fana ni. N'i b'a ta o tuma i b'i jija i b'a ta cogoya lɔn parce que tuma caman n'an bɛ ŋɛɲɛ ta an bɛ to k'a fɔ n bɛ to k'a fɔ tuma dɔ la yɛrɛ n tɛ ka di ka ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw la u ka yafa n ma n'o bɛ nana nafula dɔ seli walima seli dɔ kɛ a b'a bolo fila jan a b'a ŋɛɲɛ fɔ a la ŋɛɲɛ mako tɛ o la. O tuma ŋɛniya bɛ dusu kɔnɔfɛn de ye a tɛ fɔ o walima i b'a ye dɔw fulɛmɛ o tun b'a kɛ kɔni ka caya a bɛ se ka taa sisɛ dɔ san ka na bila walima fɛn dɔ san k'a bɛ kɛla saraka ye du denmisɛnninw bɛɛ bɛ na sigi bɛɛ b'a bolo bila kan k'a bɛɛ y'a ŋɛniya fɔ ŋɛniya ko ma se o la an ka jula kan na an b'a fɔ ko fakiri sa kuma kan ka di nka ŋɛniya ma ɲi a ja kuma kan ni ŋɛniya tɛ kelen ŋɛniya bɛ kɔnɔfɛn de kumakan bɛ fɔ fɛn de donc fɛn min ala ko ko n'i y'a kɛ k'i bɛ kɔnɔ gbɛ o kɔrɔ ko k'i bɛ ŋɛniya gbɛ a mako bɛ mun de la i dusu a mako tɛ kuma na o parce que ala b'an dusu de filɛ la nka an fari nin tɛ hali n'a ka taa sɔrɔ ko c'est très important parce que inna la yuhibbu al-mutatahhirin mɔgɔ minnu ka seni o fana ka d'a la donc fari min bɛ kɔnte nka ala mako bɛ dusu de la donc i ŋɛniya gbɛ donc n'i bɛ ŋɛniya fana ta a ma se k'i b'a fɔ. Ŋɛniya bɛ dusukɔnɔ fɛn de. Imam Shafi ko ten ko wa ni yatula yutala fasu biha wa man natɔka biha fakadi tada. A ko i ɲɛ bɛ ŋɛniya min na nin ye. Fɔfɛn tɛ. Fɔfɛn tɛ ŋɛniya ye. Ŋɛniya bɛ dusukɔnɔ fɛn ni mɔgɔ min y'a fɔ a bɛ jate i n'a fɔ a ye haramuko dɔ de kɛ. Donc silamɛw
alaba nyamaria ni konorobeya batola ki nyanya gbe batola ni bayi lana kafo na makosela ala utalama anya nyanya gbe dron ka nyeshi alama sigatala ami ala so donc na man nyanya gbe en grand ka fendo fanani korosi nya fo san san go ami an nyanya gbe ka nyeshi alama ami ala so. Le problème de la société qu'on a élevé, tout le monde là, on a coupé à la la, on a les carabacates, mais c'est la voie où fait qu'à la sur le coup, machin coup, nous on a mouru d'où, ça dit, allez bah il n'a pas mort d'où bien, allez quand qu'à taille sera au lieu de là, au lieu de bah aller là c'est à la main. Là, alors qu'au kira masallallahu alayhi wa sallam, wa iza sa'alaka ibadi anni, fa inni قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي الله أكبر حتى نندنا على قول محمد ما هو كلا رسول الله عليه وسلم أقول كلا ما فنينا جوني نينا نكاكولا كافو نينا كونا سرولا فكاتي Oji guda wata da izada memo ya do jami mo mi na ene wole ala tu bese ka vokira ka fo no ma ko sele la o ete me ifeke donc ala baka ka ira kira la on ngi chika na uma na nele be direct otuma no ma ko sele ne ala ma o ina direct o yo kono gbedron o be na ni ala uta ala so donc kono rogbayani ango abe mara fin chaman de la ali anga batoni ave magala an djogo an keto anga societe kono nan signyo islamaya la signyo kan ka bonya ko kerama nan nanti dina kele otuma principe le bi ka dina la ibi dans lo ibi ngenya gbe ate fo ko me ngaha un signyo le donc na ka kete me do la 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 to atali makluk fi ma siyatil qalik alama adara kwame jon dokan bato enketo kalere ala kansozo nala lima soma kaba abana donc ambe kalo min kononye ko chama beka kon feti sugu chama beka kon subhanallah haram ko chama bale beka kon ala do ko kan yan kono gbe ale kono ro gbe ya wati wole beni alon wati yere yere le beni chaque kata John ne beslamai ani John ne ko ko le beslamai parce que ni beslamai ani ko ni beslamai kelinda ni beslamai bi to beslamai principe kono ala ko ko ka le bato ni kono robe bato le be a ye fami non bla ikana kete ni bella jene be le bato ina fo fete ni fana parce que nga dina kono fete ka chwa le bana me fete ou fete ke nga dina kono abi dam ni bato le holo ko sameta seli fois ke yoro an reba ko seli fois et puis ame fetu wole ko seli seli du la kana agro bedle ko bato ke noal bato la wal ma 1er janvier ni do ro ko taka ko ko 1er décembre malo ni ko ne to madrid 1er décembre ko fete damna mais fete su gat malo parce que an adina na fete mi ba mbolo amba bekeni bato le ambe adamne so madaro amba damne kan nyashi ala madabo kasoro sanga na ke soko jonga wal ma na ke ni sonja ko ke la nga fon fin noto doy o te an a fati doy parce que principe le be an a fati ou la nabi malheureusement an a ira di fin wora ma mini an a dinan te kele slama la ni be jati munafiki yale slama ya ka wole tani munafiki ya nafiki ya parce que kirat la sallam John do tobe no ben islama wi aha obo reke islama yi wi islama wa ko ke ina fami to ni fet islama wa fati cela be bazin kala aha ni ton ta cela afana be do kala donc islama ko wole ko nafiq hatta ala rek manaw ka iza jaa kal munafiq oni nafiq na na le muhammad ka foko lu ko ni lu li manane nda attention fasa la ko lo. Donc, on me voit maintenant la jarabili voit-il.
c'est un test. Allah ban la jara bla fitna fana wakati le iji jay kana pour koto fio parce que nafigi Allah taala yé aller classer les kaban na surtout na sala ka toala jurmu do be Allah ko kalete ya falo dum o do le be flanga foya o do le fana ni be nafigi ya ka nafigi ya ke dina ko na ibe dina la ndre itala abe islamo ga seli cela seli era be kala chuwa mina da ba o gore be damani haramu ye mashi beta kala na mashi beta seli da ba ko na hada hada wa in talafuna ma fihi. Donc, de l'homme est ami, celle de nous, quand vous êtes fait, son alors est fait. Tu vois, principe levé en Adina là. Donc, fin ou fin, nos bonités en principe fait, ni tiri le doigt là, ni le choba là, qui est capoué, il va déjà te nafrier au roi là, parce qu'il est sous l'ontéo, il va tant, il va tant, hein, il va tant, il va slama le roi, il va slama, il va slama bey. Ani min kokwa islamu fanani bay ala ko kirama sallallahu alaihi wasallam ako sawabun istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ako muhammadu ikana yafadari ni Allah taala fanunu yede fasatle na mo goto beta an ho fe la o sala ako kirama kikini reske kirayi ala dari wala sa ala yafam ala ko on qui est le bien à la darawatna basati tout ça là qui est le tu fais casseli à choukani alors la cabe c'est la choukani comme jibril la direct quand on dit ayan va ko ala le ko na bien ko sawa un istighfar darahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah kini yere sege muhammadu parce que na ki dia ya fa dar iye ya fa dar ne ala taala fa ni mo fa zo ganyo ima dar ne ala ko ni ntena ya fa o male ala ko katena ya fa o ma ni kan ka mo sra surtout na la taala ye ni décret fa so anta ni décision fa so anta kata so ale ala ala ko kale be ya fa masale abi ya fa jurum be ma nga na ye mi fo ka bla pla o ko 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 be digila la fo ka timi donc jon kan ki toto ou kewali la ikan ki taka chogoya lon ikana ki ke chogoya lon ala on anga dina na dani be la nyinite ki be mo wora do goya ni kewali ke chogoya mo be bato ke chogoya mo be hal adama dina la wajadiluhum billati hiya ahsan fana be qur'an ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ni be kuma no ye al nakata soro kate principe kele na ni be kuma no ye jadi lokum billati hiya ahsan ye kuma fa ni ke chugo ya wal ma kuma chugo min kan no fokati min kan fokati donc il était do en afrique ya la il était do ale principe tor la kono na ite mal fo ite ke wal djubu ke donc il be tenteni le ke mais kan do la sinon il be jate nafige ala antama kabon nafige ya ma ot maslamaw ala taala yi anda ka ale kelim bato katla ka principe bla en se koro en kan ka mi respecter en kan ka min ke akechu ga nman o dole fana ni be fetu yi fetu be bato li en adina kon feti be bato li ni son dia tete ni son dia dronte on ni son dia bala ni son dronte bato yi rali o lo ko so ama wuli en adula kana ko seli. Il n'a pas de seli pour nous. Parce que seli est là. Donc, ni font une bonne idée, on a un bateau que tu vas faire. Ou tu es en deuil, ni de dollars, il va déjà te faire un mot. Ni qui est là, il va te faire un mot. Non, on a un peu de temps. C'est la même chose que nous avons un peu de temps. Alors, il y a un peu de temps. Quand tu as un peu de temps, il y a un peu de temps. Quand on a un peu de temps, 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 quand أقول قولي هذا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى الصلاة.